Vous êtes sur Mosaïque. Nous ferons le point avec le spécialiste Jean-Marc Dallem sur la situation de l'industrie de la chimie en Moselle-Est. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Quel avenir pour l'industrie et notamment l'industrie de la chimie en Moselle-Est? Les syndicats CGT de la Moselle invitaient hier à une conférence de presse pour en parler. L'idée était de faire un point pour présenter la situation et de proposer des solutions pour mettre fin à la destruction des emplois. À l'issue de cette conférence de presse, le délégué syndical d'Ineo Saralbe a répondu à quelques questions. Jean-Marc Dallem, la CGT a organisé une conférence de presse pour présenter la situation industrielle et économique de l'industrie chimique en Moselle-Est. Quelles sont vos remarques de manière générale? Alors, de manière générale, ce qu'on constate depuis de nombreuses années, c'est une perte d'emploi. Donc on arrive à conserver quelques unités. Il y a des unités qui sont fermées. Mais d'une manière générale, le constat le plus important, c'est la perte d'emploi. Donc c'est ça ce qu'on veut essayer de dénoncer, de manière à ce que les pouvoirs publics et les industriels trouvent des solutions pour redynamiser l'emploi dans le secteur. Vous vous êtes réunis pour faire aussi des propositions dans les grandes lignes, c'est quoi? Alors les propositions qu'on a faites, elles tournent pour l'essentiel à des activités nouvelles, mais aussi des investissements qu'on souhaite voir poindre dans les prochains mois, prochaines années, au niveau du gaz de houille. Gaz de houille qui est a priori en grande quantité sous nos pieds, pourrait permettre des investissements et une création d'emplois s'il est valorisé correctement. Intéressons-nous, si vous le voulez, à l'avenir d'Ineos. Total et Ineos sont liés par un contrat d'approvisionnement en éthylène jusqu'en 2015. L'échéance approche. Que savez-vous des intentions de ces entreprises? Alors, pour ce qui concerne Ineos, ils ont trouvé un accord avec Total sur la fourniture d'éthylène, donc ça c'est une bonne chose parce qu'on a tremblé pendant de nombreuses années aussi, quelques années au moins. Maintenant, un accord a été trouvé, a priori sur le prix, mais aussi sur les quantités. Donc de ce côté-là, c'est positif et on a des assurances sur également un avenir, allez, on va dire à court terme et moyen terme pour la plateforme d'Ineos Saralbe. Le point qui reste encore à traiter, c'est le point concernant le plan de prévention des risques technologiques. Donc sur ce plan-là, c'est en bonne voie, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des disponibilités nouvelles du fait de l'arrêt du vapocracker en termes de stockage. Ça devrait être mis à profit pour baisser le coût du PPRT. Et donc on attend la mise en place ou la signature du préfet dans les prochains mois. A priori, il reste un problème à régler sur le financement. On attend que ça se solde positivement. L'État, les collectivités locales se sont engagées à soutenir l'effort pour établir ce PPRT. Où est-ce qu'on en est actuellement? Qu'est-ce qui freine éventuellement? A priori, les points qui bloquent ne sont pas très importants. On n'a pas d'informations très détaillées sur ce qui reste à traiter, mais on parle de financement de l'État qui serait souhaitable à un meilleur niveau. Le préfet de la région Lorraine a fixé un délai de 18 mois pour trouver un terrain d'entente. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.